Bonjour, bonjour à tous. C'est Antoine de nouveau pour Poisson Urbain. Et une autre vidéo par rapport à un problème de fuite dont je viens de me rendre compte. J'ai découvert ça à l'instant. Et en fait, ça doit faire quelques jours, à mon avis, que ça fuit au compte-gouttes. Parce qu'en fait, il y a un endroit de la palette qui est tout trempé. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Et je me suis dit, du coup, que ça peut être une bonne idée de savoir un peu comment gérer une fuite. Voilà, donc j'ai commencé à démonter un peu une partie de mon système, en fait. Donc j'ai enlevé la partie de devant et le dessus, que j'ai déplacé sur mon bac à poisson. Et ce qui me permet, en fait, de pouvoir accéder au niveau de mes filtres. Donc au premier plan, donc j'ai un filtre radial, et au deuxième, j'ai un filtre à brosse. Et en fait, je me suis rendu compte que, avec mon montage, en fait, j'ai des palettes qui sont sous mes différentes cuves, donc qui me permettent de me détacher du sol qui est une dalle en béton. Du coup, c'était une de mes contraintes quand j'ai dû créer ce système-là, c'est que j'ai un sol qui est fini, qui est une dalle en béton, du coup, pas moyen d'enterrer le puisard. Du coup, tout doit être, donc le puisard qui est là. Donc tout doit être au-dessus. Et de ce fait, j'ai tout surélevé justement de palettes et surélevé de même de cailloux de telle manière à ce que l'eau qui tombe sur la terrasse puisse couler tranquillement sans mouiller les palettes. Et du coup, tout à l'heure, en démontant un peu mon système pour accéder à mes bacs parce que je viens de rajouter des poissons, je me suis rendu compte que j'ai toute une partie qui est mouillée et en fait la fuite vient d'un joint unicile qui est au niveau de mon filtre. Et en fait, la fuite vient de ce niveau-là et elle coule là. Donc, ce que j'ai commencé à faire pour pouvoir justement venir vider mon filtre radial, donc qui est d'ailleurs bien sale, qu'il faut que je nettoie. On peut voir au fond justement un peu toutes les amas de saleté. C'est à peu près 3 semaines, je pense, que je ne l'ai pas nettoyé. Donc, pour faire ça, j'ai rajouter de l'eau, en fait j'ai augmenté le niveau d'eau donc de ma table à substrat qui est là-bas, enfin ma table à radeau, de telle manière à ce que l'eau puisse monter, du coup j'ai une plus grosse capacité là-dessus. Et de l'autre côté, si vous vous souvenez, j'ai une table à substrat que j'ai mis découverte pour faire de la place. Et en fait, j'ai enlevé mon siphon cloche de ma table à substrat, du coup elle est remplie au maximum, ce qui fait que du coup, au niveau de mon système, bah, j'ai quasiment plus d'eau, simplement. Et du coup, l'eau, je vais pouvoir en réinjecter dans le puisard et du coup pouvoir vider sans trop me poser de questions mon filtre radial et du coup sans perdre de l'eau. Voilà, donc par la suite, du coup j'ai augmenté mes niveaux d'eau. Là maintenant, j'ai coupé justement mon arrivée d'eau sur mon bac à poisson. Du coup, j'ai plus d'eau qui coule du tout. Je ne peux pas voir très bien, je suis désolé. Ouais. Et du coup, ce qui fait que j'ai plus de flux. Et une fois que j'ai plus de flux, ça peut y aller. Ce que j'ai fait par précaution, c'est de mettre un petit compresseur au niveau justement de mon bac à poisson, que le bac à poisson reste bien oxygéné pendant le temps de l'opération. Voilà. Je vais faire une petite pause, le temps de vider mon filtre radial. Et je vais venir avec une pompe aspirer les différentes boues et venir les placer dans mon bac minéralisateur. Je vais prendre une partie de l'eau de mon bac à minéralisateur, pardon, pour le remettre dans le puisard. De telle manière, comme ça, je fais le renouvellement de l'eau de mon minéralisateur en même temps. Finalement, une pierre deux coups. Voilà, en pause et je vous reprends après. Voilà, donc à chaque fois j'avance un petit peu dans les petites pauses que je vous mets qui va pas vous sembler être des pauses. Du coup, au niveau du puisard, j'ai mis un tube qui arrive de mon minéralisateur. Ce qui va me permettre, dans un premier temps, de vider mon minéralisateur, un peu d'eau, à peu près 60 litres, de telle manière à pouvoir reprendre le volume d'eau et du coup tous les débris qui sont dans mon filtre radial, pour venir les positionner dans mon minéralisateur à la place de l'eau, justement. Et du coup, cette opération va me permettre de récupérer les minéraux, les éléments qui ont déjà été minéralisés dans le bac, dans ce que j'avais mis avant,
et de remettre de la matière à minéraliser au fur et à mesure. Du coup, dans mon montage, en fait, j'ai donc un réservoir en bas, j'ai une pompe qui est positionnée à peu près à mi-hauteur, et du coup, elle est en suspension dans l'eau, ce qui permet aux boues vraiment lourdes de sédimenter au fond, et du coup, d'autres organismes vont faire le travail de mélanger tout ça et d'y minéraliser, et du coup, la pompe va permettre de reprendre l'eau, de la faire circuler, de la faire monter en hauteur et de la faire monter en haut, en fait, et dans le premier saut, on va avoir un système de vortex. Donc, système qui reprend, qui se présente comme ça. Donc, j'ai une entrée de chaque côté, une à gauche et une à droite qui sont dans le sens opposé. Ça me fait un beau vortex au centre. C'est sympa. Et du coup, je peux savoir aussi un peu la maturité de mon minéralisateur en fonction de l'odeur qu'il va dégager. Là, il y a très peu d'odeur, donc ça se passe bien. Et du coup, c'est pas une odeur de pourriture, comme quoi, bah, ça va pas. Là, c'est une bonne odeur, comme quoi ça se décompose, donc ça va bien. Après, c'est une odeur, donc ça se sent. On pourrait pas trop le sentir, mais en général, avec du bon sens, on comprend tout. Et en fait, dans le deuxième seau, bah, c'est pareil. L'eau arrive par le premier, passe dans le deuxième. Et là, j'ai mis un fond de sable et il y a un deuxième tuyau qui revient dans le précédent bac. Du coup, ainsi de suite. Et du coup, là, pour switcher mes flots, bah, la pompe, elle est en fonctionnement. Je vais juste fermer l'arrivée d'eau qui va au niveau du tourbillon et je vais ouvrir mon autre tuyau. Voilà. Et je vais attendre que ça se vide. À tout de suite. Donc, je viens d'enlever mon tuyau qui partait du minéralisateur jusqu'au puiseur. Il n'y est plus. Et là, je vais vider un petit peu de mon filtre radial de telle manière à pouvoir immerger la pompe qui est à ce niveau-là. Donc là, j'avais prévu justement une petite base quand j'ai conçu une petite vanne quand j'ai conçu le système. Et je vais pouvoir justement le vider. Je rajoute juste un bout de tube qui est plus large pour pouvoir faire couler sans mettre de l'eau partout à côté. Donc je vais voir si j'arrive à le mettre comme ça. Hop, voilà, en gros. Donc il y a mon tube, il y a ma pompe qui est au fond. Ça c'est remanché comme ça, j'ai ouvert ma vanne. Voilà, juste petite rectification, je me suis trompé en fait. Faut bien prendre la pompe comme si on prenait l'eau de ce réservoir pour la pulser dans le filtre radial, en fait, par là. De telle manière à ce que l'eau puisse par la suite faire le chemin inverse. Parce que dans mon montage précédent, j'aspirais le peu d'eau qu'il y avait dans le tube et en fait ça marchait pas. Mais je me souvenais pas, je l'avais fait qu'une seule fois. Et du coup, comme ça devrait marcher cette fois. Donc je vais l'activer et après, ainsi de suite. Ouais, on va essayer avec le téléphone, mais c'est pas gagné. Donc voilà. Donc là, j'ai ma multiprise. Ma prise, je vais le brancher. J'y arrive. Allez. Voilà. Donc voilà, la pompe là est en train de s'activer. Hop, elle m'a rempli le tuyau et je le coupe. Et là, ça refoule. Voilà. Du coup là, je vais pouvoir tout aspirer. Comme ça. Hop. Et du coup, je peux déplacer justement mon tuyau partout, mais rapidement, parce que du coup, le débit est important, histoire de tout prendre et d'avoir un filtre tout propre, ce qui évitera le développement de zones anaérobie qui mettrait en l'air l'équilibre du système. Donc voilà, il n'y a quasiment plus d'eau. Ça fait des bulles, ça va se désactiver. J'essaye de tout aspirer. Mais ça va être compliqué. Voilà, là ça s'est désactivé. Hop. Voilà, et à côté, la poubelle est pleine avec
toutes les matières en suspension. Donc l'eau est bien sale, donc elle va être très bien dans le minéralisateur. Et ce sera très bien qu'elle ne soit pas dans le circuit des poissons. Voilà. Et après, on va s'attaquer à la réparation en elle-même. Alors, du coup, au niveau de mon montage, j'ai mon arrivée. Bon, je te remplace, focal. Pas. Voilà. J'ai mon arrivée d'eau de mon bac à poissons qui se fait par là. Et en fait, la fuite est sur ce raccord de joint inutile et ce niveau-là. Donc pour ça, il va falloir que je démonte tout le raccord en fait. Enfin, pas tout le raccord, mais juste que je démonte cette partie-là. Pour pouvoir retirer le joint inutile et voir pourquoi ça ne va pas. Apparemment, à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai un son à joint inutile tout simple. Et mon astuce souvent quand il fuit, c'est en fait de rajouter une épaisseur de chambre à air tout autour pour faire une surépaisseur de caoutchouc, et en général ça fait très bien le travail, donc ça arrête la fuite. Donc c'est ce que je vais faire, et du coup je vais devoir démonter le raccord et je vais enlever justement mon filtre radial de son emplacement pour pouvoir le faire. Et du coup pour ça je vais en fait au niveau de ce joint de ce passe-paroi, je vais le désactiver qui est à ce niveau-là. Voilà. Je vais le retirer. Et en fait, derrière là-bas, j'avais mis une petite vanne. Donc avec qu'on peut apercevoir avec un raccord bleu. Voilà. Donc je vais pouvoir la fermer, ce qui va me permettre de pouvoir déconnecter en fait voilà, mon filtre au reste du système. Et du coup, de là, je pourrais faire la réparation à côté. Je vous reprends une fois que c'est fait. Hop, voilà, donc j'ai pu enlever mon filtre radial de son emplacement. Du coup, je l'ai déconnecté de la vanne que j'avais à ce niveau-là. Et du coup, puisque ça a un point bas, et bah ça mouille un peu tout. Mais bon, c'est pas grave, ça va sécher. C'était fait pour ça. Du coup, là, je vois que les clous de la palette gonflent un petit peu, mais bon, c'est normal. Fait partie du risque du jeu. Après, de toute façon, dans la conception de mon système, j'ai pris en compte que s'il y a besoin de changer une palette, ça peut se faire. Voilà. Du coup, donc là, en fait, j'ai ma sortie de mon filtre qui se fait à ce niveau-là, donc par le bas. Et du coup, ça, c'est l'arrivée. Donc, en fait, je l'ai démanché là-bas. Donc, j'ai eu, en fait, tous mes raccords sont faits avec du joint Teflon. Donc, ce qui permet de les démancher facilement. Et ce qui permet de faire des réparations, bah, comme là, s'il y a besoin. Ça évite que ce soit tout collé, que du coup, ce soit impossible à réparer. Donc, à joint inutile, les tuyaux à l'intérieur ne peuvent que se pousser à l'intérieur du réservoir. Donc, en fait, là, je suis obligé d'enlever cette partie-là. Mais il va me falloir la mettre demain. Donc, je vais vous expliquer, je vais le faire. Et je vous montrerai le résultat. Du coup, il va falloir que j'enlève ça. Donc, le tube là, je vais pouvoir le passer, le pousser à l'intérieur. Donc, le faire ressortir complètement. Je vais reprendre mon joint inutile, remettre un bout de chambre à air de vélo par-dessus. Et je pourrais réemmancher en fait mon tube en remettant un peu d'huile pour que ça passe plus facilement. Et réassembler tout le système. Voilà. Voilà, donc j'ai démonté mon joint inutile de mon arrivée d'eau. Et en fait, la surprise du truc, c'est qu'en fait, il est complètement fendu. Voilà, on a une belle fente. Du coup, ça m'étonne pas du tout que ça fuyait. Donc, ce que je vais devoir faire, bah, c'est remettre un œuf, du coup, à la place, pour que ça puisse se refaire pour un nouveau tour. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez entre mille eaux. Donc en fait il est fendu jusqu'à l'extrémité. Donc l'eau pouvait passer bien entendu. Donc c'était pas la même solution auquel je pensais. Et puis là en fait même si je mettais un bout de chambre à air, ça ne résoudrait pas le problème. Puisque de mettre un bout de chambre à air permet d'augmenter le diamètre en fait
externe de l'unicycle et du coup d'éviter qu'il fuit. Comme par exemple, quand on a mal percé avec une scie à cloche, on a fait un trou légèrement trop gros d'un demi-millimètre ou d'un millimètre. Et du coup, ça permet d'éviter ça. Voilà, notre belle fente. Il y a tellement de soleil qu'on voit rien. Voilà. Du coup, bah, je vais chercher un autre joint, je le remets, je remonte tout ça et je remets en eau. Et en fait, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est au niveau de mes raccords, parce que j'avais un raccord comme ça, et en fait, souvent, bah, quand on les démonte, les joints Teflon, donc, qui ressemblent à ça une fois ressortis, et bah, ils partent avec, en fait. Donc du coup, bah, j'en remettrai un et je remonterai tout le système. Donc un à ce niveau-là où en fait bah, j'ai bougé le coude pour le démonter. Et certainement un autre qui en fait au niveau du raccord du passe-paroi de ma QIBC. Voilà, je vous montre au niveau de la remise après à la mise en eau pour voir s'il n'y a pas de fuite. À toute. Voilà, donc j'ai remis un joint inutile, donc neuf, j'en avais en stock. C'est une des pièces qu'il faut toujours mieux avoir en plusieurs exemplaires d'avance, toujours. Genre ces galères-là, ça prévient jamais, donc c'est un peu un imprévu, c'est pareil. Dans mon planning, ce n'était pas prévu, mais j'avais prévu de faire une vidéo, donc ça tombe bien. Ça a été l'objet de la vidéo, c'était pas le thème que je voulais aborder, mais du coup, celle-là, voilà, c'est pas mal. Donc, du coup, j'ai remis un joint Teflon neuf à l'intérieur. Donc, pareil, le Teflon, donc c'est des petits rouleaux qui se présentent comme ça. Donc, c'est pareil, c'est de la plomberie. Oh. Et le gros avantage de ça, c'est que ça permet d'emmoncher, que ça ne fuit pas et de pouvoir y démonter à loisir, on va dire. Donc, j'en ai remis un neuf et à l'autre extrémité, j'en ai remis un neuf aussi. Donc toujours pareil, en avoir un peu plusieurs d'avance. Donc là, à l'intérieur, bah, j'ai remis aussi bah, la colonne qui est verticale, donc qui doit être verticale. Ah oui, et ce que je voulais dire, justement, quand vous voulez remancher un bout de tube dans un joint inutile, un petit conseil, c'est déjà de chanfreiner un peu les contours ici d'un tube, histoire de les rendre ronds, de telle manière à ce que ce soit un peu plus conique et que ça rentre plus facilement. Et deuxième, de mettre par exemple de l'huile alimentaire. Mettre un peu du gras, justement, pour que ça puisse rentrer beaucoup plus facilement et éviter en fait de venir exploser le plastique. C'est une des choses qui m'est arrivée. Donc une fois que c'est explosé, c'est beaucoup plus difficile de la réparer. Donc autant prévenir que guérir. Donc un peu d'huile et ça marche beaucoup bien. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà, je remets tout ça en place et je vous reprends pour la mise en eau. Nous y voilà. J'ai remis mon système, mon filtre à tourbillon. Je vérifie juste que du coup mes raccords au niveau des arrivées d'eau ne fuient pas, notamment au niveau de ce tube-là qui passe par là. Voilà. Donc le meilleur moyen pour vérifier s'il y a une fuite, c'est de prendre un chiffon et d'essuyer les différents raccords et de les mettre en eau progressivement. Donc ça, c'était une vanne que j'avais fermée parce que là, c'est l'arrivée du filtre radial, donc qui va dans le filtre brosse. Et du coup, à ce niveau-là, je l'avais fermé. Mais je viens de voir passer une goutte, donc je vais voir qu'est-ce qui va pas. Donc là, a priori, ça paraît sec, mais tu vois, là, il y a une goutte qui est en train de se former là-dessous. Voilà, donc là, on a une goutte qui est en train de se former à ce niveau-là. Donc c'est un des raccords que j'ai dû démonter pour changer le joint initial. Et du coup, ce qui veut dire que ce que j'ai refait ne marche pas. Ou il va falloir que je redémonte pour pouvoir remonter encore et refaire le joint Teflon. Voilà, à tout. Je vous reprends après. Voilà, bon, on devrait arriver à la fin cette fois-ci, j'espère. Donc du coup, ma poubelle dans laquelle j'avais vidé mon filtre radial, je l'ai rebasculé dans mon mineralizer parce que j'avais besoin
du volume d'eau, parce que j'ai eu besoin du volume pour pouvoir vider le filtre à poisson, enfin le réservoir d'eau à poisson, parce que le niveau d'eau arrivait au-dessus de mon filtre, et puisque je ne mets pas de téflon sur les raccords PVC à l'intérieur de mes cuves, comme par exemple tous les raccords là, en fait, il n'y a pas de PVC, enfin, il n'y a pas de téflon. Du coup, ce qui veut dire qu'il y a toujours un peu d'eau qui passe par ces raccords-là. Et ce qui fait que là, en fait, il y avait de l'eau qui coulait à ce niveau-là et ça emportait donc, au niveau du bas et ça emportait quelques débris. Et du coup, quand j'essayais d'emmancher avec un nouveau joint de téflon, et bah, ça faisait des surépaisseurs. Et du coup, ce qui faisait qu'il y avait une merveilleuse fuite par la suite. Du coup, bah, j'ai baissé le niveau d'eau, j'ai pu sécher correctement et nettoyer en fait le raccord à l'intérieur, ce qui m'a permis de refaire un joint Teflon tout correct, tout joli, et pouvoir réemmancher tout ça. Et en même temps, bah, le raccord là qui fuyait tout à l'heure, bah, je l'ai refait aussi en mettant plus. Du coup, a priori, j'ai juste remis un peu en pression. Donc avec de l'eau qui a du réservoir à poisson à l'intérieur. Donc là, on n'a plus de fuite à ce niveau-là. C'est un bon signe. Il semble pas y avoir de fuite à ce niveau-là. Donc ça a l'air plutôt pas mal. On verra après une fois qu'on mettra plus en eau. Et à ce niveau-là, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite non plus. Donc voilà, on a solutionné un peu tout ça. Donc maintenant, je vais pouvoir reconnecter mon réservoir à poisson. Donc j'ouvre ma vanne d'arrivée d'eau à fond, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Donc là, j'ai pas encore remis le T, je le remettrai après, parce que bah, quand j'ai enlevé, je peux faire attention et une partie de mon tube est allée à faire à jouer au Titanic et aller au fond de ma cuve. Du coup, j'irai le repêcher après. Donc là, je vais juste mettre un débordement après pour pouvoir tester les circuits d'eau. Et ça permettra quand même de renouveler en partie l'eau des poissons qui a besoin maintenant. Je vais aussi raccorder un petit compresseur arrière de telle manière à ce que les poissons y survivent. Hop, je vais le mettre là pour l'instant. Je le fixerai après correctement. Alors, voilà. Du coup, ça bulle, c'est parfait. Il y a le niveau d'eau qui monte, il y a le niveau d'eau, ça déborde par là. Donc c'est parfait. Et là, ça passe à ce niveau-là. Donc là, l'eau arrive à ce niveau-là. Je vais remettre mon pot à l'envers. Hop. J'avais prévu ça comme ça, pareil de l'autre côté, et voilà. Donc là, il est bien mis. On va attendre que ça monte. Et dernier point que je n'ai pas fait, ouvrir la vanne qui communique entre les deux. Hop, et du coup, j'avais dévissé ça en fait pour pouvoir les séparer cette partie-là. Du coup, le flux ne risquait pas de fuir. Ça, c'est bien fermé. Là, j'ai pas touché ces raccords-là, donc ça devrait pas fuir, normalement. Donc là, ça passe bien. Là, mon joint indicible est déjà sous l'eau. Donc on va pouvoir vérifier s'il ne fuit pas. Ça semble correct. Pas l'air d'avoir une fuite quelconque. La paroi et dessous reste sèche, donc ça a l'air d'aller. Là, ça va aussi bien. Là-bas, ça va se remettre. Donc, jusqu'à priori, maintenant, tout va bien. Pas de soucis. Donc, le niveau d'eau remonte tranquillement. Et en fait, là, on a un peu un film qui s'est formé à la surface de l'eau. C'est parce que pour emmancher mes tubes, j'ai mis justement un peu d'huile végétale alimentaire.
Et du coup, comme l'huile est plus légère que l'eau, ça ne se mélange pas. Ça fait un film dessus. Et bien sûr, après, ça reste des molécules et seront dégradées dans le système par d'autres bactéries. Donc là, ça se remplit. On va bientôt arriver en haut. On va pouvoir vérifier les filtres, les joints. Hop, ça va bientôt déborder. C'est toujours un moment assez de reconnaissance et de satisfaction quand on arrive à remettre les systèmes en eau et qu'il n'y ait pas de fuite et que tout va bien. Donc voilà, donc là ça déborde. Donc ça marche bien. Donc là mon débit est un peu conséquent au niveau du volume de dépoissement. Je vais le réduire quand même. Hop. Voilà à peu près ça. Donc lui, il faut vraiment que je le fixe parce qu'il est tombé. Mon câble électrique, il est un peu court. Bref. Il y a toujours des petites améliorations à faire sur un système. On n'y échappe jamais. Voilà. Du coup, l'eau est en train de se nettoyer. Là, ça passe bien. Et du coup, dernière vérification, à ce niveau-là, il n'y a pas de fuite. Donc, a priori, tout va bien. Voilà. Donc le reste de la palette qui était mouillée, ça va finir par sécher. Donc je vais laisser un peu ouvert ce soir. Et puisqu'il fait chaud, ça devrait aller bien. Donc là, tout cool. Je vais pouvoir remettre le reste du système en fonctionnement. Voilà, donc ça a peut-être fait une petite vidéo un petit peu longue. Mais j'espère que vous avez pu comprendre pas mal de choses et avoir pas mal d'astuces. Donc là, on remarque qu'il y a beaucoup de poissons au niveau de la surface. Ce qui veut dire que, ils ont consommé, à mon avis, pas mal d'oxygène. Donc je vais mettre aussi le compresseur pour réoxygéner un peu tout ça en grande quantité. Ce qui sont au niveau de l'arrivée d'eau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Et puis, au plaisir de refaire une ou deux vidéos. Même si là, ça a été un peu compliqué, à vrai dire, de faire les deux en même temps. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.